Il se dit victime d'une dénonciation mensongère auprès du Parisien. Si les enquêteurs se sont intéressés au mari de Delphine Jubilard pour tenter de résoudre le mystère de sa disparition, ils ont aussi été attirés par le profil d'un certain Simon. Selon une amie de l'infirmière prénommée Annick, ce dernier se serait montré trop entreprenant avec la jeune femme en tentant de la séduire lors d'une soirée d'anniversaire, avant d'être éconduit en octobre dernier. Soit 2 mois avant la disparition de la principale intéressée. Lors des faits, celle qui s'est volatilisée en décembre dernier n'avait pas caché son intention de se séparer de Cédric Jubilard. Face à la perspective d'être un autre coupable idéal, Simon s'est récemment défendu dans les colonnes du quotidien. Je n'ai jamais dragué Delphine, je ne me suis jamais approché d'elle. Je n'ai jamais eu son numéro de téléphone. Il revient ensuite sur la fameuse soirée d'anniversaire durant laquelle il aurait fait des avances à Delphine Jubilard. J'étais présent avec mon fils et nous avons quitté les lieux vers 22h30. Delphine, elle, est restée un peu plus longtemps, d'après ce qu'on m'a dit. Et de poursuivre, au total, si j'ai passé 2 ou 3 minutes à proximité d'elle, si est-il le grand maximum. À son domicile le soir de la disparition de Delphine Jubilard, la thèse d'un « enlèvement par Simon » serait donc peu probable. D'autant plus que cette version a été confirmée par celle qui a célébré son 44e anniversaire, le soir fatidique. Simon n'a jamais été vu comme quelqu'un de lourd à l'égard de Delphine, il avait quelqu'un d'autre en tête, a raconté cet habitant de Cagnac-les-Mines. Le soir de la disparition de Delphine Jubilard, du 15 au 16 décembre dernier, Simon dit être resté à son domicile. J'ai regardé la télé et je me suis couché, je bossais de bonne heure le lendemain, a-t-il confié aux Parisiens. Jugé pour menace de crime et port sans motif légitime d'armes de catégorie D en novembre dernier, Simon n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni garde à vue dans le cadre de l'enquête autour de Delphine Jubilard. Du côté des proches de la mère de famille, la thèse d'un départ volontaire est de plus en plus mise en cause.